temps pour quelques questions. On va passer d'un groupe concernant, on va dire, plutôt la longévité directement. Ensuite, on sera plus centré autour des questions de dépendance, santé, choses comme ça. Donc, nous allons avoir le temps de répondre à quelques questions de la salle, s'il y en a, même si l'hétérogénéité, on va dire, des interventions ne facilite peut-être pas la chose. Oui ? J'ai une question pour Bertrand. Vous pouvez savoir, manifestement, c'est des données d'enquête ou pas ? Manifestement, c'est des données d'enquête. Lorsqu'on demande aux gens combien est-ce qu'ils sont prêts à réduire leur consommation pour augmenter leur, pour augmenter leur risque de survie, c'est toujours leur risque de survie aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut considérer des risques de survie demain, après-demain, etc. J'imagine que là, il y a énormément de biais lorsqu'on a ce type d'enquête. Oui, alors, pour les enquêtes, hein, j'avais fait la distinction entre les données fortuites et puis les données expérimentales, donc je crois assez peu, vraiment très peu aux expérimentations, et également je crois assez peu à ce qu'on appelle les évaluations contingentes, où on pose des questions aux individus, on leur demande entre cette situation-ci et cette situation-là, laquelle préférez-vous ? Parce qu'on leur demande de se mettre en situation, de répondre avec la plus grande sincérité possible, mais les enjeux étant nuls, on n'est pas tout à fait certain de la qualité des réponses. Alors les enquêtes dont il s'agit, hein, c'est extrêmement étroit, mais j'ai à peu près tout dit sur ce qu'il y avait à dire sur la question. C'est véritablement les travailleurs de l'industrie, des gens qui ont, étant donné leur formation, la possibilité de gagner un petit peu plus dans tel secteur ou dans tel type de poste plutôt que dans tel autre, en prenant éventuellement plus de risques. C'est aussi fragile, aussi limité que ça. Mais ce sont les données où la mise en situation de choix est la plus vraisemblable. Voilà les données sur lesquelles reposent les estimations dont j'ai parlé. Oui, alors, comme tu as pu le voir dans le schéma, au moins en principe, on peut mettre en regard une diminution de mortalité à un certain âge avec une diminution de revenus à un autre âge, c'est ce que j'ai fait dans le schéma, donc c'est en principe. Après, si les données font que les variations sont contemporaines, on essaie d'estimer le modèle avec ça. Ça réduit certainement les possibilités de test des théories. C'est une restriction, mais qui n'empêche pas d'avancer, qui empêche plutôt de mettre en danger les théories à cause de leur étroitesse. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle ? Pas de question. Donc, on va reprendre la deuxième partie de l'atelier avec Manuel Plisson qui va nous parler de demande d'assurance et de prix de la dépendance. Donc, je sais comment ça marche. Bonjour. Donc, moi, je vais vous parler donc d'un risque qui est lié au risque de longévité, mais qui est quand même un petit peu différent, c'est le risque dépendance. Je vous présente donc un travail qui est en cours avec des chercheurs de l'Université Paris-Dauphine. Et dans ma présentation, je vais uniquement parler de la demande d'assurance et pas du prix de la dépendance. Donc ce travail s'inscrit tout à fait dans la lignée de ce qu'on a pu voir ce matin, avec notamment les présentations de Hippolyte Dalby sur l'énigme dont il a parlé ce matin, c'est-à-dire pourquoi en fait les gens ne souscrivent pas davantage d'annuités. On retrouve en fait typiquement cette énigme sur la demande d'assurance dépendance. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de répondre d'un point de vue théorique à cette énigme. Donc cette énigme de l'assurance dépendance, comment la caractériser ? Très rapidement, hein, la dépendance, c'est à peu près 1 million d'individus aujourd'hui en France. On va avoir une augmentation d'à peu près 50% d'ici 2040. Les aides publiques aujourd'hui sont insuffisantes, puisqu'elles sont entre 30 et 50% en fait du reste à charge. Le reste à charge, c'est quand on prend en compte les revenus en fait des personnes dépendantes, c'est-à-dire les retraites.
le reste qui reste à financer. Donc on a un coût financier, un risque financier très élevé pour les personnes donc, qui sont à la retraite. Et pour autant, on a un marché de l'assurance dépendance qui est certes conséquent, puisqu'il y a à peu près 3 millions de personnes qui s'assurent aujourd'hui contre la dépendance, mais qui est en fait très limité si on le compare par exemple à la complémentaire santé. Sur la complémentaire santé, on a à peu près 86% des gens qui ont une complémentaire santé aujourd'hui en France. Sur la dépendance, c'est moins de 10% des gens de plus de 40 ans. Donc on a voulu essayer de comprendre cette énigme, d'autant qu'il y a une certaine actualité et il y a un projet de loi prévu pour le premier semestre 2011 sur la dépendance. L'idée ici, c'est de se dire si en fait, est-ce que le marché de l'assurance dépendance fonctionne correctement? Si on a des réformes telles que proposées par exemple dans le projet, dans le rapport au saut de bord sur l'assurance privée obligatoire, est-ce que le marché est suffisamment solide? Est-ce qu'il marche suffisamment bien pour prendre en charge ce risque? Donc, quand on s'intéresse aux raisons qui expliquent pourquoi le marché de l'assurance dépendance ne développe pas plus, on a plusieurs types d'explications, hein, des explications qui relèvent de l'offre, d'autres de la demande et d'autres des asymétries d'information. Alors, quand on regarde rapidement la revue de littérature, quand on s'intéresse à l'offre, en fait, il y a un économiste américain qui s'appelle Cutler qui a expliqué en fait cette énigme de l'assurance dépendance en montrant que les produits proposés étaient incomplets, c'est-à-dire qu'ils ne prenaient pas en charge la totalité du risque, soit en fait parce que c'est des assurances remboursement mais qui sont plafonnées fortement comme aux États-Unis, soit parce que c'est des contrats forfaitaires tels que proposés en France. Des contrats forfaitaires, ça veut dire que c'est une rente, hein, typiquement comme les annuités. C'est-à-dire que quand on souscrit, en fait, en fonction de notre âge et du montant de rente qu'on veut avoir en dépendance, on paye une certaine prime. Cette explication est intéressante, mais elle n'explique pas totalement l'énigme de l'assurance dépendance, comme ont pu le montrer Finkelstein et McGarry, notamment sur le marché américain. Donc ça, c'est un type d'explication. Si on s'intéresse aux asymétries d'information, l'aléa moral donc, est assez peu étudié sur le marché de l'assurance dépendance, puisque surtout sur la dépendance lourde, on voit mal comment quelqu'un peut volontairement se mettre en situation de dépendance lourde pour bénéficier de l'assurance, même si sur la dépendance légère, on pourrait avoir de l'aléa moral. Et quand on regarde les antisélections, en fait, on se rend compte que on n'a pas vraiment, sur le marché français, par exemple, on n'observe pas pour l'instant d'antisélection sur le marché de l'assurance dépendance, même si potentiellement on pourrait avoir de fortes antisélections en raison notamment de tout ce qui est dépistage des maladies génétiques. Mais sur le marché français, on n'observe pas d'antisélection pour l'instant. Et ce qu'on observe sur le marché américain qui est plus mature, en fait, c'est plutôt des antisélections de type multidimensionnel, c'est-à-dire qu'on a en fait une compensation entre les mauvais risques qui sont compensés par le fait que les plus averses s'assurent également davantage que la population. Et les plus averses sont aussi les moins risquées. Donc on a une compensation comme ça entre les risques qui fait qu'au final, on n'a pas une probabilité de sinistre dans le portefeuille qui est supérieure à la probabilité de la population. Donc, deuxième type d'explication, les asymétries d'information n'expliquent pas vraiment, elles pourraient l'expliquer, mais aujourd'hui, elles n'expliquent pas vraiment le faible développement du marché. Donc, troisième type d'explication, les explications par la demande. Donc là, on a des arguments théoriques comme la myopie face au risque, le fait qu'on a du mal à se projeter sur un risque qui peut arriver dans 30 ou 40 ans, le fait qu'on a du mal à s'imaginer en situation de dépendance, donc on évacue ça en fait de notre raisonnement. D'autres types d'explications, c'est l'effet d'éviction par l'aide publique. Ça peut être le cas aux États-Unis, beaucoup moins en France. D'autres explications aussi, mais qui n'ont pas été vérifiées, c'est de l'aléa moral intergénérationnel. Tout simplement le fait, en fait, c'est l'impact des comportements intrafamiliaux sur les demandes d'assurance. L'aléa moral intergénérationnel, c'est le fait que les parents ne s'assurent pas pour inciter leurs enfants à s'occuper d'eux. Mais quand on regarde sur le marché français, on n'observe pas ce type de comportement, on a plutôt des comportements altruistes. C'est en partant de ce constat que on a voulu apporter notre petite pierre à l'édifice et on a voulu expliquer en fait le fait que le marché ne se développait pas davantage en s'intéressant à la demande, principalement, mais pas en utilisant en fait des explications exogènes, c'est-à-dire le rôle de l'État ou le rôle de la famille, mais plutôt en se basant sur les préférences individuelles dans la demande d'assurance. Donc notre modèle, c'est un modèle très simple qui se base, donc, qui est dans un cadre d'espérance d'utilité, qui considère un individu qui est complètement isolé, hein, on ne prend pas en compte l'effet de la famille,
On s'inspire en grande partie de tout ce qui a été fait sur l'assurance santé, sur l'utilité bivariée, et on l'adapte en fait au risque dépendance. Donc on a un modèle à deux périodes, hein, ce qui est tout à fait logique dans le cas de la dépendance, c'est une période plutôt active et une période de retraite, avec un individu qui prend sa décision d'assurance en première période, et un individu qui maximise son utilité espérée, avec voilà, donc une probabilité en fait θ d'être plus ou moins dépendant, et une probabilité à un moins θ de ne pas être dépendant. Ici, état, c'est mon degré d'autonomie, hein, donc l'inverse de la dépendance. Donc une première variante du modèle, mais sur laquelle je vais aller très vite. Si on s'intéresse à la deuxième variante, c'est-à-dire la plus aboutie, on aboutit en fait au fait que l'individu, quand il prend sa décision de s'assurer ou pas, anticipe son niveau de dépendance, donc son niveau d'autonomie état, et sa probabilité de dépendance θ. Et donc on suppose un taux de préférence pour le présent taux, et on a donc le modèle tel qu'il est exprimé ici, un modèle très classique, hein, et on choisit une fonction d'utilité bivariée de forme séparable pour simplifier les calculs. Voilà, donc on a voilà le modèle de maximisation, je vais très vite dessus. Les résultats du modèle, c'est que si on considère en fait que le taux de préférence pour le présent est supérieur au taux d'actualisation, on a en fait on n'a pas en fait le même niveau de richesse dans tous les états de la nature. Alors, en fonction des deux hypothèses, on a des résultats qui sont un petit peu différents, mais le résultat en fait global, hein, c'est que les niveaux de consommation ne sont pas égaux entre les états. Donc, un agent, ça c'est le résultat qu'on a obtenu pour l'instant, c'est qu'un agent qui maximise l'espérance de son utilité peut rationnellement ne pas souscrire de contrat forfaitaire, puisqu'en fait, il peut décider de pas transférer, disons de transférer un niveau de richesse très faible dans l'état de dépendance, et si, comme les contrats en fait proposent une rente minimum, on peut très bien comprendre pourquoi rationnellement un individu n'a pas intérêt à s'assurer. Et en fait, on l'explique pourquoi. Si on prend en compte le fait que la perception, disons, la valorisation de la richesse est modifiée par l'état de dépendance ou d'autonomie, on comprend que l'individu ne veut transférer moins dans un état où il sera dépendant que dans un état où il n'est pas dépendant. L'idée en fait sous-jacente, hein, c'est que quelque part la personne dépendante est un autre. Si moi je suis dépendant, ce ne sera plus vraiment moi. Et cet autre, je ne veux pas lui transférer beaucoup de richesses. Et si je veux lui transférer peu de richesses, j'ai intérêt à ne pas m'assurer. Alors, donc, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est qu'on voit que sans prendre en compte le rôle de l'État, de la famille, etc., on peut très bien avoir des individus qui rationnellement décident de ne pas s'assurer. Trois caractéristiques, donc des préférences peuvent exercer un effet sur le niveau de soins et donc l'état de dépendance, donc la forme de la fonction d'utilité évidemment, hein, le taux de préférence pour le présent et l'anticipation de l'état de dépendance futur. Alors si on essaye de rapporter ça un petit peu au débat actuel sur l'assurance dépendance, Pierre-Yves Joffard en fait isole trois raisons qui plaident en faveur de l'assurance obligatoire pour la dépendance. Premier type de raison, des raisons paternalistes, hein, c'est-à-dire pour l'État, en fait, obligerait les individus à être prévoyants. Deuxième type de raison, la présence d'antisélection potentielle sur ces marchés. Le fait de rendre une assurance obligatoire permet de lutter contre ces phénomènes. Et la troisième raison, ça serait le développement de l'offre de services avec une solvabilisation de la demande. En fait, notre article ici irait dans le sens d'une assurance obligatoire pour des raisons paternalistes, puisque une des explications de la faible demande d'assurance, c'est le fait que l'anticipation que font les individus de leur état de dépendance future est beaucoup trop élevée par rapport à ce qui serait dans la réalité. Et donc, ceci irait donc dans le sens d'une assurance obligatoire. Le problème, c'est que si on met en place une assurance obligatoire, le fait qu'avec notre petit modèle, le fait que les individus ne s'assurent pas davantage peut aussi s'expliquer par une forme de la fonction d'utilité particulière. On peut très bien avoir des individus qui ont une fonction d'utilité qui fait qu'ils vont très peu transférer vers cet état, même si leur anticipation de la dépendance future est correcte. Donc, le fait d'avoir une assurance obligatoire peut poser problème, puisque en fait, on va obliger des individus. Ça inclut, disons, une perte de liberté et des choix pour des individus qui auront des préférences particulières. Voilà. Merci. On va passer.
passer au prochain orateur, qui va parler de long terme aussi dans ces questions-là. Donc, il s'agit de Jean Pinquet, qui est maître de conférence à Nanterre et à l'École politique. Voilà. Donc, en fait, je vais parler du même sujet que Manuel Plisson. En fait, je ne vais pas exposer mon papier de recherche, qui est une analyse microéconométrique sur des contrats d'assurance de long terme et sur les comportements de résiliation, comme il y a ce sujet qui est vraiment à la mode. Et je vais montrer un autre point de vue. Moi, je ne suis pas emballé par l'assurance obligatoire, et je vais dire pourquoi, si vous voulez. Voilà, ce sera un exposé, disons, complémentaire. Je vais donc parler quelle est la place de l'assurance dans, disons, le financement des coûts de la dépendance. Alors, le plan de la présentation, c'est rappeler très brièvement le risque de dépendance, mais ça a déjà été fait. La place de l'assurance dépendance, quelques chiffres, et puis donc le point principal, ce seront quelles sont les voies de développement de l'assurance dépendance. Alors, si on parle du risque de dépendance, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près, donc en se restreignant à la dépendance irréversible, il y a à peu près une chance sur cinq pour un individu de passer par une phase, un épisode de dépendance irréversible avant de tirer sa révérence, en gros. Plus pour les femmes, moins pour les hommes. Ça augmente avec l'âge, ça augmente avec le temps calendaire, parce qu'on vit de plus en plus longtemps. Mais c'est l'ordre de grandeur. La durée de vie moyenne d'un épisode, c'est un peu plus de 5 ans, ce qui fait que l'espérance de vie en dépendance, c'est un peu plus d'un an. Et d'ailleurs, ça se voit, puisqu'il y a à peu près 1 million de personnes dépendantes en France, et qu'une classe d'âge, c'est 800 000 personnes. Le coût total de la dépendance, alors là, je ne saurais pas vous dire exactement ce qu'il y a derrière le chiffre. Peut-être que ça inclut la dépendance partielle, monsieur Plisson va sûrement mieux savoir que moi. Enfin, on cite un peu plus de 20 milliards d'euros, donc c'est-à-dire un peu plus de 1% du PIB, et ça va augmenter, bien entendu. Alors, la place de l'assurance dépendance, Manuel Plisson l'a dit, c'est à la fois beaucoup parce que le marché de l'assurance dépendance est le deuxième marché au monde après celui des États-Unis, mais c'est fort peu en termes de contribution au coût de la dépendance. Les chiffres donnés par la FFSA, c'est 400 millions d'euros de primes en 2009, 128 millions de prestations, donc ne croyez pas que les assureurs se gavent, en fait c'est parce que c'est un produit en capitalisation et qu'il est en phase de monter en régime, peut-être qu'il se gaffe, on en reparlera à la fin. Mais on voit bien que même dans une phase, si on restait à 400 millions d'euros de primes, si le système se stabilisait, la contribution, vous voyez, à 20 milliards serait très faible, quoi, de l'ordre de 2%. Bon. Alors, je vais parler donc des voies de développement de l'assurance dépendance. Donc, l'argument fort, bien sûr, pour le développement de la dépendance, c'est ce que Philippe Trainard appelait le dernier hold-up des baby-boomers, c'est-à-dire il faut que la génération du baby-boom autofinance plus le coût de sa dépendance. Et ça, je pense que ça peut faire consensus, mais ça fait même, j'imagine, sûrement consensus. Mais ce qu'on doit en déduire pour l'assurance et le développement de l'assurance, c'est peut-être pas forcément, de l'ordre du consensus. Alors, par exemple, si on regarde ce qui se fait, donc, ce qui est proposé, on peut faire de l'obligation d'assurance, on peut faire de la préconisation, je parlerai de l'expérience singapourienne, et on peut faire, bien sûr, des incitations. Vous avez encore permis d'être un peu libéral. L'obligation d'assurance, donc c'est ce qu'il y a dans le rapport de Valérie Rousseau-Debord, qui propose une assurance dépendance obligatoire pour les plus de 50 ans. On ne dit pas d'ailleurs, et pour les moins de combien, parce que je ne suis pas certain que les assureurs soient intéressés par proposer des produits d'assurance aux jeunes filles de 85 ans, ni qu'elles aient forcément envie de l'acheter, mais voilà. Préconisation, c'est le plan Eldership de Singapour. Je vais rappeler un peu, c'est une expérience très intéressante qui s'est déroulée dans les dernières années. Et puis, incitation, ce qui est important, bien sûr, dans l'incitation, c'est que la demande d'assurance dépendance, elle est influencée par le poids des autres vecteurs d'autofinancement de la dépendance. Alors, l'expérience de Singapour, l'expérience qui est appelée Eldership, ça avait consisté à enrôler en 2002 les Singapouriens de 40 à 70 ans. Ils avaient une option de sortie que très peu ont utilisée, 15% seulement. Et s'ils ne l'utilisaient pas, ils rentraient automatiquement dans un schéma donc, d'assurance dépendance. Il y avait quelques assureurs agréés. Donc c'est une expérience qui a beaucoup marqué et qui est toujours citée par ceux qui préconisent donc une assurance ou obligatoire ou fortement préconisée. Très peu avaient utilisé l'option de sortie, mais beaucoup ont résilié. 38% la première année, probablement beaucoup qui n'avaient pas compris qu'ils avaient été enrôlés par défaut, et ensuite, il y a eu des résiliations importantes. Alors, on voit bien que l'assurance dépendance, voilà, c'est quand même dur de la vendre et de la faire garder. Il faut savoir que quand on résilie, on est perdant, parce qu'il y a une provision au contrat qui est perdue, hein, et ce sont des contrats avec un front-loading très important. Alors d'abord, qui a vraiment envie d'acheter de la dépendance ? Moi, mon point de vue, c'est quand même d'abord des gens qui ont un patrimoine transmissible, parce qu'un assureur parle de protection financière, c'est vraiment ça, c'est-à-dire on veut se protéger, on veut protéger son patrimoine transmissible contre les coûts de la dépendance. Donc c'est clairement les ménages aisés qui ont une motivation à acheter d'assurance dépendance, c'est beaucoup moins clair pour des ménages, par exemple, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale et qui n'accumulent pas de patrimoine. Ils
auront beaucoup moins de motivation. Quand on regarde les taux de pénétration de l'assurance dépendance aux États-Unis, alors bien sûr, il y a l'effet d'éviction par les politiques publiques, par Medicaid, mais dans le premier quartile de revenus, le taux de pénétration, c'est zéro, quasiment, et dans le quartile le plus supérieur, c'est trois fois la moyenne. Donc on voit bien que, alors je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais c'est très fort. Donc les ménages, en tout cas, qui ont un patrimoine non négligeable, ont les moyens d'autofinancer leur dépendance. L'espérance du coût de la dépendance, quand on est en bonne santé, c'est-à-dire susceptible d'acheter un contrat d'assurance dépendance, c'est à peu près 25-30 000 euros, si on divise 25 milliards par 20 milliards et quelques par 7 ou 800 000. Quand on est en bonne santé, bien sûr, en dépendance, il faut multiplier par 5. Le patrimoine d'un ménage propriétaire de sa résidence principale, en moyenne, c'est des centaines de milliers d'euros. Donc si on fait un système de prélèvement sur l'ensemble du cycle de vie, je m'aperçois d'ailleurs que je ne sais plus si j'ai zappé, non. Oui, quand j'avais présenté la phrase de Philippe Trenard, il y avait les différents modes de financement, et je ne l'ai pas dit oralement, mais les différents modes de financement, c'est bien sûr des cessions d'actifs, c'est aussi, d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'a cité là dans sa prestation télévisée, la récupération sur héritage. In fine, quand le ménage disparaît, on peut faire de la récupération sur héritage des épisodes de financement sous-financés. Donc, il y a, en tout cas, il y a de quoi, de dépendance, pardon, sous-financée. Il y a largement de quoi, si vous voulez payer la dépendance pour les ménages qui ont du patrimoine. Et évidemment, tous les autres modes d'autofinancement sont des sortes d'incitations à acheter de l'assurance dépendance. Donc il y a une voie de développement de l'assurance dépendance qui fonctionnera très bien sur les ménages, on dirait les 70% des ménages de seniors qui ont réellement du patrimoine, en fonctionnant avec des incitations et surtout en faisant aussi de l'information. C'est très important. Il y a une publication récente d'universitaires allemands là, dans le Journal of Risk and Insurance qui montre que si on informe bien les gens à la fois sur les risques et sur les coûts induits de la dépendance, eh bien, au moins la motivation à acheter de la dépendance augmente fortement. Donc il suffit donc, voilà, de faire bouger les curseurs sur les autres moyens d'autofinancement. Donc, le curseur final, bien sûr, c'est les seuils de récupération sur héritage, et l'assurance dépendance se développera naturellement. Alors évidemment, ce qui est problématique, ce sont, on va dire, les 30% des ménages de seniors qui n'accumulent pas de patrimoine, qui ne sont pas propriétaires de leur résidence principale, et puis bon, qui en général en plus ont des petites retraites, donc vont moins autofinancer les coûts de leur dépendance avec la retraite. Donc là j'arrive au transparent final. Évidemment, pour eux, l'incitation, ça ne marchera pas. Et la préconisation à la singapourienne, je n'y crois pas non plus. Il n'y a qu'à voir les taux de résiliation qu'il y a eu à Singapour. À mon avis, en France, je pense qu'on aurait des taux de résiliation encore supérieurs. Alors, l'assurance dépendance obligatoire est-elle la meilleure solution? Moi, j'ai tendance à penser que dans ce cas-là, si véritablement il faut que les ménages modestes autofinancent leur dépendance au-delà de la contribution de leur retraite, un système de type fonds de réserve serait préférable. Moi, j'y vois deux raisons. D'abord, je ne suis pas un contrat d'assurance dépendance, donc individuel, ça veut dire vous achetez quelque chose que vous n'avez pas envie d'acheter, parce que les ménages modestes n'ont aucune envie d'en acheter. Alors, les promoteurs de l'assurance obligatoire disent oui, mais alors on pourrait subventionner à mon avis, on s'éloigne de l'optimum économique. On pourrait subventionner la prime des ménages modestes, mais alors ils vont voir une provision croître sur un contrat, sur un truc qu'ils n'ont pas eu envie d'acheter. Autant faire un truc impersonnel, dans ce cas-là, vous mettez dans un fonds de réserve, et puis à mon avis, il vaut mieux ne pas avoir de compte personnel. On s'éloigne de l'assurance. Par ailleurs, un point quand même à signaler, c'est que le coût de l'intermédiation serait moindre, parce que je n'ai pas de chiffres en France, mais les chiffres qui circulent aux États-Unis sur les load-in factors, enfin vous voyez, sur le coût de l'intermédiation, sur les contrats d'assurance individuelle, en dépendance, sont élevés. Et c'est très facile à comprendre pourquoi, parce que ce sont des contrats de long terme, le client est enfermé dans le contrat, on doit surtarifer au début parce qu'il faut... Il y a des incertitudes considérables, mais après, qui récupère, si vous voulez, le bénéfice si ça a été surtarifé? Enfin, voilà. Donc, moi, je ne suis pas du tout un chaud partisan de l'assurance dépendance obligatoire. Parce que je n'ai rien contre l'assurance dépendance en elle-même. Voilà, merci. Ben, peut-être avant d'amorcer un débat, donc on va entendre Sébastien Noué. Toujours sur cette question de perception du risque de dépendance, et dans le cas de la France plus particulièrement. Bonjour. Alors, je vais présenter en fait un working paper qui est actuellement en cours de soumission, et qui a intitulé « La caractérisation de la demande d'assurance dépendance en France ». Il s'agit d'une étude qui a été réalisée à Paris-Dauphine et à l'Université Léonard de Vinci. C'est une étude macroéconométrique
où l'on modélise en fait la probabilité de souscription aux produits dépendance actuellement proposés, c'est-à-dire la rente viagère différée, qui consiste à verser une rente de montant prédéterminé à l'avance à la souscription. Donc cette approche, cela correspond à l'approche forfaitaire qui s'oppose à l'approche indemnitaire qui consiste à rembourser l'intégralité des soins. Donc ici, la méthodologie utilisée est la modélisation logistique avec validation bootstrap. On utilise une base de données, on modélise grâce à une base de données de 100 000 individus à l'échelle d'une région où des tests de représentativité ont été effectués afin de démontrer que par rapport à l'ensemble des variables qui sont utilisées, on a une représentativité relativement importante par rapport à la population française en général. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le marché de la dépendance est très peu développé. Dans le cadre de la dépendance totale, il y a seulement 3% de la population qui est assurée. Néanmoins, cette étude, en fait, s'efforce de mettre en valeur les niches qui peuvent exister et savoir si ces niches constituent un bon potentiel de développement pour l'assurance dépendance, quoi. Alors, les variables explicatives du modèle sont les revenus, le patrimoine financier, l'âge de souscription, le sexe et la catégorie socio-professionnelle. Afin d'améliorer la robustesse et la prédictibilité du modèle, on fait des croisements entre ces différentes variables que je n'ai pas le temps d'exposer ici. Cette étude montre dans un premier temps que ce sont surtout les femmes qui sont réceptrices qui sont réceptives à l'offre de souscription dépendance. Elles ont en moyenne une probabilité 3 fois plus importante que les hommes de s'assurer aux produits dépendance. On remarque aussi que les cadres supérieurs et professions libérales ont une forte tendance à refuser l'assurance dépendance. Cela est sûrement dû au fait que, ayant un capital suffisamment, assez important, ou suffisamment important pour ne pas avoir à souscrire ce genre de produit. C'est une conjecture, bien entendu. Donc les tendances générales qui se dégagent de cette étude sont les suivantes. Ce sont surtout les femmes qui vivent seules qui sont réceptives à l'offre de souscription dépendance. Donc, ce sont celles qui sont le plus exposées au risque. Ce sont les femmes qui n'ont pas fait beaucoup d'études supérieures, c'est-à-dire les employés, les ouvriers, les agriculteurs. Les femmes qui ont un âge avancé, donc celles qui sont le plus proche de la survenance éventuelle du risque. Cela montre aussi que le prix n'est pas un obstacle à la souscription. Alors, à noter que la survenance de la dépendance n'est pas obligatoire, donc on souscrit, donc c'est un produit à fonds perdu, donc c'est ça qui peut expliquer aussi la réticence de la population en général actuellement à souscrire à ce genre de produit. Et on note aussi que les femmes qui ont accumulé une épargne de précaution tout au long de leur vie et qui font partie justement de ces classes populaires entre guillemets ont une appétence pour ce produit dépendance, sûrement parce qu'il s'agit en fait de ne pas dilapider le capital en vue de transmettre celui-ci à leurs enfants. Quoi. Au final, cette étude montre qu'il y a un bon potentiel de développement du marché de la dépendance en France, car les profils sensibles dégagés deviendront proportionnellement plus importants dans les décennies à venir, compte tenu de l'évolution de la démographie. Je conclue dans cette de son working paper que les produits dépendance ont vocation à devenir un produit de masse, tout en précisant que les assureurs devront diversifier leur offre et étudier sérieusement la possibilité de proposer des produits indemnitaires, voire à défaut pseudo-indemnitaires, avec des assistances à domicile. Donc,
en parallèle de cet aspect, de ces interprétations sociologiques, ce modèle microéconométrique appliqué à l'assurance est aussi un outil d'aide à la décision pour les assureurs qui pourront l'appliquer en fait à leur propre portefeuille pour essayer d'affiner, d'élaborer au mieux leur politique commerciale. Aussi, derrière cette étude, se cache le problème qui n'a pas été abordé dans ce working paper du partage public-privé du marché de la dépendance. Alors aujourd'hui, on constate que là je dépasse un petit peu le cadre, mais on constate que les séries de coûts de la prise en charge de la dépendance ne sont pas stables au cours du temps. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les assureurs ne sont pas capables en fait de prévoir combien coûtera la prise en charge d'une personne dépendante dans 20 ans ou dans 35 ans. Bon, étant donné qu'on a affaire à un risque long, c'est pour cela que dans cette étude, le produit étudié est le seul produit proposé aujourd'hui, c'est-à-dire le produit forfaitaire avec une rente de montant prédéterminé à l'avance. Mais disons que tant que les séries de coûts ne se stabiliseront pas, il sera difficile pour les assureurs de proposer un produit purement indemnitaire. Donc à défaut, pour s'adapter et pour développer d'autant plus, pour avoir d'autant plus de chances de développer leur portefeuille, ils devront proposer des produits pseudo-indemnitaires. Est-ce que je peux répondre à certaines de vos questions ? Excusez-moi, mais de manière générale, avant de passer la parole à Brigitte Dormont, je pense qu'on vient d'avoir trois exposés sur la dépendance d'une manière ou d'une autre, et donc je propose qu'on aborde le débat sur ce point alors directement avec l'orateur ou avec les autres intervenants dans cette direction. Pardon, j'avais juste un petit complément par rapport à la présentation de M. Pinquet. En fait, quand on parle du coût de la dépendance, on parle de 1% du PIB. C'est les dépenses publiques de dépendance, hein, 1% du PIB, le 21,5 milliards d'euros. Quand on prend en compte le reste à charge payé par les familles ou l'aide informelle monétisée, on arrive très facilement à 2% du PIB. Ça, c'était juste un point, parce que souvent on parle d'1%, mais c'est uniquement les dépenses publiques, APA plus sécurité sociale. Et par rapport au fait que la dépendance, l'assurance dépendance est souscrite par les plus aisés, alors ça c'est un phénomène qu'on observe aux États-Unis. C'est vrai que c'est la plupart des travaux économétriques ont eu lieu aux États-Unis sur ce sujet, mais en fait ça s'explique parce que l'effet d'éviction est beaucoup plus fort aux États-Unis, puisque en fait on prend en compte la prestation versée par l'assureur, on la prend en compte dans le revenu qui permet d'être éligible ou non au système public Medicaid. Alors qu'en France, on n'a pas ce système-là, on a un système complémentaire. C'est-à-dire que ce que vous recevez de l'assureur ne va pas conditionner le fait de toucher ou pas l'APA. Et sur les études qu'on a pu faire en France sur des données d'entreprise, mais on reboucle aussi avec Cher là-dessus, c'est que c'est plutôt les classes moyennes en fait, hein, qui s'assurent contre la dépendance en France. Les plus pauvres en fait n'ont pas assez de ressources et ont d'autres chats à fouetter. Les plus riches s'auto-assurent contre la dépendance via des contrats d'assurance vie. Et c'est vraiment la classe moyenne qui, elle, aura une retraite pas très élevée, donc elle ne pourra pas, avec sa retraite, payer sa dépendance. Et elle n'a pas suffisamment de capital, en fait, pour faire face aux potentielles dépenses. Oui. Excusez-moi, sur le débat entre assurance obligatoire ou assurance non obligatoire de la dépendance, il ne faut pas se tromper. Il y a des tas de dépenses obligatoires, soit par la loi, soit par des règles contractuelles, soit par l'usage, mais qui donnent l'occasion de créer des marchés et d'organiser de la concurrence. Donc une dépense soit obligatoire en soi et pas quelque chose qui serait dommageable. L'assurance automobile, elle est obligatoire de par la loi, sinon personne ne s'assurerait. C'est comme ça, il y avait le débat dans les années 50 sur le sujet, donc c'est obligatoire. De par la loi, c'est pourtant pas un impôt. Pourquoi ? Parce que le marché est organisé avec un certain niveau de concurrence. Et je crois que dans l'assurance dépendance, il y a aussi cette dimension-là. L'assurance multirisque habitation, elle est obligatoire par les règles contractuelles, parce que c'est comme ça. C'est dans les règles contractuelles, si vous avez un bâtiment, vous êtes obligé de vous assurer. Sauf si vous êtes complètement isolé au milieu d'une montagne, les propriétaires du bien et du champ autour. Bon, et c'est assez très diffusé.
Dans le cas d'assurance santé, ce n'est pas obligatoire, mais ce n'est pas vraiment une assurance, c'est de la gestion de trésorerie. Dans le cas de la dépendance, s'il n'y a pas une obligation qui vient de la société, ça ne se diffusera pas. Pourquoi ? Parce que le risque est lointain, non seulement il est difficilement perceptible, il est extrêmement lointain. Et s'il n'y a pas d'assurance obligatoire, ben, il y a quand même une obligation de couverture de par la société. Et qu'est-ce qui est aujourd'hui en déficit ? C'est les déficits des régions qui payent pour l'assurance dépendance, qui de facto créent une forme d'obligation, créent une obligation implicite de couverture. Donc je crois qu'il y a... Moi, je voudrais répondre. Si on fait la comparaison avec l'assurance de responsabilité civile, automobile, c'est un contrat de court terme sur lequel il y a une concurrence féroce. Chaque année, vous pouvez changer de crèmerie. L'assurance dépendance, c'est un contrat de long terme. Je crois d'ailleurs que le Sénat avait proposé à un moment donné aux assureurs qu'il y ait une portabilité des contrats d'assurance. Et les assureurs ont dit, écoutez, on n'est pas chaud, quoi. Donc il y a des différences à ce niveau-là. Et puis donc, je l'ai dit, je n'ai pas tous les chiffres. C'est vraiment, je ne prétends pas être un expert sur ces sujets-là. Mais il y a d'autres moyens d'autofinancer la dépendance, donc, puisque il y a de l'argent dans le patrimoine. Et donc après, les gens, ils peuvent faire des choix suivant leur motivation alléguée, suivant plein de choses, enfin, si vous voulez. Donc c'est pas voilà. Deux petites choses. Quand j'ai utilisé en fait les trois raisons qui plaident pour l'assurance obligatoire, que citait Pierre-Yves Joffard, c'est une assurance obligatoire, mais ça ne préjugeait pas du caractère public ou privé de l'assurance obligatoire. Ça, c'est un autre débat de savoir si ça va être public ou privé. La deuxième chose aussi, c'est par rapport à l'assurance obligatoire. Il y a évidemment, si on prend une assurance obligatoire privée, il y a évidemment la question de que fait-on des gens qui n'ont pas les moyens de se payer une assurance. Ça, c'est la première question. Puis il y a surtout une question qu'on voit moins de prime abord, c'est comment on gère la transition. Parce que cette transition, elle va avoir un coût assez fort entre le système actuel et un système financé par l'assurance privée. Que fait-on, par exemple, des gens qui ont 70 ans aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils sont trop vieux pour souscrire une assurance privée et qui, a priori, dans 15 ans, ne bénéficieront plus de l'APA si on doit avoir un nouveau système. Les coûts de transition, j'ai rencontré des gens de Bercy, pour eux, c'est colossal. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ? Oui, s'il vous plaît. Par rapport à la présentation de Sébastien, je me demandais si vous aviez des informations sur les couples, et notamment sur les différents stages au sein du couple, parce que je me dis que ça, c'est une information importante, quant à la probabilité de se retrouver seul, et à la volonté de souscrire ce type d'assurance. C'est vraiment la distinction peut-être entre les femmes seules et les femmes mariées, mais je me dis qu'une femme seule, mettons un monsieur très âgé, on avait surtout accès à l'information en ce qui concerne l'assuré. Après, l'âge du conjoint n'était pas dans la... Si je peux, parce que comme j'ai participé aussi à ce papier, les données qu'on a sont des données d'assureurs. Donc elles sont assez imparfaites sur les aspects famille, enfin très imparfaites même sur les aspects famille, etc. C'est là où en fait les études américaines sont plus fines parce qu'ils partent de données d'assureurs, mais ils font des enquêtes sur ces assurés pour avoir des informations justement sur la famille, sur le nombre d'enfants, sur le couple, etc. Nous, c'est vrai que sur ce point-là, les données qu'on a sont assez frustrantes. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a des données, on a des aspects financiers qu'on ne trouve pas, par exemple, on a le patrimoine financier et c'est une variable qui est difficile à obtenir en ce qui concerne dans les études type INSEE, on ne trouve généralement pas cette variable. Donc il y a des avantages et des inconvénients liés au fait que ce soit des données d'entreprise. Sur Cher, par exemple, les données financières, c'est du déclaratif. Alors que là, on est sûr d'observer les données financières en dur quoi, dans notre portefeuille. Mais donc les données américaines, elles n'ont pas ces enquêtes américaines, elles n'ont pas les patrimoines financiers ? Elles partent de portefeuilles d'assureurs. Donc elles ont les informations financières, mais elles mènent des enquêtes auprès de ces assurés sur leurs conjoints, leurs enfants, etc. Donc elles sont beaucoup plus riches. Donc elles permettent de croiser en fait données disons familiales et données financières. Nous, on n'a pas ça pour l'instant. L'avantage qu'on avait quand même, c'était qu'on avait une banque qui, elle, connaissait ses assurés et qui connaissait exactement le niveau de patrimoine financier. C'était un des avantages de
d'avoir un banque-assureur qui avait une filiale assurance. Donc, on pouvait avoir une information cohérente. En fait. Oui, sur ce point, je voudrais reposer une question qui est en particulier de quelle manière on doit faire évoluer la collecte d'informations pour contribuer à raffiner un petit peu les analyses des risques, soit des portefeuilles d'assurés, soit quand on voit l'importance du statut marital, quand on voit l'importance, on va même dire simplement du nombre d'années d'études, du nombre d'enfants, des choses comme ça. On fait des informations assez simples à recueillir, mais qui ne sont pas présentes. Empêche beaucoup de pouvoir raffiner pas mal d'informations. Donc nous, dans les tests qu'on a essayé de faire, même avec les données INSEE, évidemment, beaucoup de choses sont très peu renseignées. Et en fait, on sait déjà qu'ils jouent un rôle vraiment déterminant. Et il y a vraiment une réflexion aussi à avoir sur les bases de données à construire, tout en respectant toutes les règles qui conviennent, mais qui vont être des outils absolument indispensables pour raffiner l'analyse de ce qu'on fait, etc. Donc nous, on a essayé plutôt de le regarder du point de vue finance-assurance, c'est-à-dire comment, dans les expériences qui ont pu avoir lieu, il y a des essais de constituer des indices de mortalité qui puissent contribuer à standardiser un petit peu une idée de titrisation alors du risque des assureurs, de ceux qui portent toute l'incertitude sur la mortalité réelle. Là aussi, la question de qu'est-ce qu'on sait des données, qu'est-ce qu'on récolte et quelle information on peut avoir, à la fois sur le plan national et sur le plan individuel, est un enjeu très important, mais si il est réfléchi, peut vraiment contribuer à améliorer. Il y a une vue plus différenciée du risque que ce que révèle le risque global. Évidemment, du point de vue macro, cette vision globale est importante, mais dans les faits, la pratique doit permettre de s'affiner à des coûts qui, à la fois, donc c'est un problème général, et comme on a aussi les moyens donc de représenter, de simuler de manière plus fine, il y a aussi cette opportunité, cette expérience à essayer de construire de manière, robuste, avec de nombreux problèmes statistiques, mais qui me semble être une voie assez indispensable à associer parallèlement à toutes les questions très complexes qu'on a pu évoquer. Sur le plan purement de la dépendance, sur lequel on a mis un accent plus précisément maintenant, est-ce qu'il y a encore une question et ensuite on passera... une ou deux. Il y a plusieurs questions, donc oui. Le ministre allemand de Santé a déclaré il y a 15 jours que le gouvernement allemand souhaite passer à un régime obligatoire et avec assurance privée. Donc ça fera quand même un grand pavé dans l'Europe. Hein, notre voisin, s'il passe à ce système, influencera certainement l'évolution dans toute l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Moi, ce qui m'a frappé cette année, c'est qu'on a vu début 2010 une publication dans un journal d'ophtalmologie anglais, une revue de médecins. Bon, on peut faire un texte prédictif à partir du fond de l'œil, à une dizaine d'années en avant, de probabilité d'avoir une maladie neurodégénérative. Et puis la semaine dernière, il y a eu une conférence à San Diego et a été publié dans un article sur, avec un scanner du cerveau, en analysant des modifications de zones, on peut aussi avoir une prédiction très avancée de l'Alzheimer, là, pour le coup, d'une des formes de l'Alzheimer. Donc on est au bord, mais vraiment au bord, d'avoir des tests prédictifs. Et si on a des tests prédictifs, il n'y a plus de débat, parce que si l'assurance est facultative et qu'il y a des tests prédictifs, ça ne marche pas, par construction. Donc, c'était ça que je voulais dire.
Je pense qu'il est difficile de regarder la demande d'assurance dépendance de manière isolée. Je pense qu'il faut quand même prendre en compte les autres éléments qui composent le patrimoine, qui composent le portefeuille des ménages. Dans le cas de la France, différentes données d'enquête que nous avons, donc je pense plus précisément aux données d'enquête de l'INSEE, les enquêtes patrimoine, donc dans lesquelles on a énormément d'éléments à la fois concernant les caractéristiques individuelles, mais également, familiales. Donc à la fois donc sur l'âge, le genre, les CSP, les différents secteurs d'activité, les différentes catégories d'actifs qui composent le portefeuille des ménages en France, donc à la fois en actifs risqués, en actifs non risqués, mais également différents éléments sur le type de contrat d'assurance. Donc on a de l'information à la fois sur l'assurance vie en cas de vie, mais également l'assurance décès. Et il y a vraiment ce qu'on a pu observer, donc différents travaux qui ont été réalisés sur les déterminants d'assurance, donc d'assurance en général, hein, sans regarder spécifiquement l'assurance dépendance. Bien déjà, donc, en traitant de l'assurance vie, que ce soit en cas de vie ou en cas de décès, donc on a pu observer que les différentes catégories d'actifs qui étaient détenues dans le portefeuille des ménages, eh bien, permettaient d'arbitrer différemment en matière de choix, de décision d'acquérir des contrats d'assurance vie, que ce soit encore une fois d'assurance vie en cas de vie ou d'assurance décès. Le fait d'avoir de l'immobilier, ça n'a pas impacté de la même manière. Le fait d'avoir des actions ou des obligations dans son portefeuille n'impactera pas de la même manière. Et en matière d'assurance vie, ce qu'on a pu montrer, c'est qu'il y avait un accroissement de la détention d'assurance vie avec l'âge, là pour tout type de ménage, plus particulièrement pour les catégories plutôt pour les indépendants plutôt que pour les salariés par exemple du secteur public, pour les employés du public. Donc un accroissement de l'assurance vie avec l'âge. À l'âge arrivé, à des âges proches de départ à la retraite, il y a une désaccumulation. Et autre résultat assez surprenant, c'est quand on arrive à des âges plus élevés, donc 70-75 ans, donc là on a de nouveau une assez forte accumulation en assurance vie. Donc là on pourrait interpréter de la manière dont ce qui est un peu dit, c'est que ça serait un produit de substitution, enfin un produit qui pourrait davantage se rapprocher d'un contrat d'assurance dépendance. Donc je crois qu'il faut vraiment prendre en compte aussi les autres éléments du patrimoine. Bien sûr, le genre a une importance, encore une fois, toutes les différentes variables, différents déterminants que vous avez cités, mais je crois qu'encore plus, les autres catégories d'actifs permettent aussi, en tout cas, de comprendre le comportement de détention des ménages en matière d'assurance. Merci beaucoup. Il y a encore une question devant. Ce sera la dernière avant de... Pardon ? Ah oui. Bon, donc, l'avant-dernière. Je vais me limiter à une question. Je pourrais en avoir des dizaines. Enfin, ce que j'ai noté des interventions... c'est que quelque part il y a peut-être bien un produit d'assurance dépendance pour chacune des catégories de population, aussi bien pour celles qui ont un patrimoine élevé que pour les dames âgées qui sont de milieu modeste, qui ont accumulé une épargne tout au long de leur vie et qui n'hésitent pas devant le prix de l'assurance dépendance et qui l'achètent quand même. Alors j'ai quand même beaucoup de questionnements par rapport à la formation du prix de l'assurance dépendance et par rapport à la façon dont on va l'imputer dont on va l'imputer aux assurés que nous sommes tous potentiellement. Alors le premier questionnement, il a été évoqué, c'est qu'en fait, du fait du caractère longitudinal du risque, on a une assez forte méconnaissance sur la façon dont le risque va se dérouler dans le temps et surtout sur la façon dont il va évoluer. Et actuellement, les produits individuels d'assurance dépendance, ces produits qui restent chers, et pas seulement à cause des chargements de distribution et de gestion, mais également à cause d'une information encore très incomplète que l'on a sur le risque. Et il serait d'ailleurs amusant de croiser une hypothèse que prennent régulièrement les tarificateurs ou les assureurs en assurance dépendance, qui est que lorsque l'on souscrit en couple, on a une risque de moins 10%, avec les travaux de M. Bensoussan, qui montre bien une mortalité différenciée,
entre les personnes qui vivent seules ou les personnes qui vivent en couple. Donc, gros questionnement sur le prix. Et ce questionnement sur le prix a un impact sur la forme des contrats d'assurance. C'est-à-dire que si, et j'en ai déjà parlé hier, si il se trouvait, on n'en est pas très loin, qu'on trouve un remède à la maladie d'Alzheimer, on fait tomber 40% du risque sur GIR1 et GIR2. Donc on change totalement la nature du risque, on en change totalement le prix. Le prix. Et donc l'évolutivité du risque doit avoir comme contrepartie des clauses de participation aux bénéfices pour les assurés. Parce que les assureurs ne se font pas faute d'avoir une clause de révision, révision du tarif à peu près ad libitum. Et la contrepartie devrait être des clauses de participation aux bénéfices, qui pour l'instant sont plutôt rares sur le sujet et sont d'ailleurs extrêmement difficiles à calculer. Deux remarques complémentaires sur le prix. Je pense que le contexte Solvency II va poser un sérieux problème par rapport au prix de l'assurance dépendance, puisque c'est un risque qui va mobiliser des fonds propres de façon importante, ne fût-ce que par les calculs de marge de solvabilité en contexte Solvency I, et probablement plus encore en contexte Solvency II. Alors, dernière réflexion sur le prix, j'en resterai là. On a parlé, je pense quasi, on a surtout parlé d'assurance individuelle. Mais l'alternative sur l'assurance collective peut être une alternative forte qui mixte des approches à la fois obligatoires et facultatives. Et sur lequel les incitations déductibilité sociale qui est prévue par la loi Fillon, etc., peuvent jouer. Mais là encore, je pense que les assureurs ont énormément de travail à faire sur la formulation du contrat. Mais l'assurance collective peut tout à fait être un moyen de baisser le prix de l'accès à l'assurance dépendance, de même que ça a été le cas en santé. Et il y aura également d'autres parallèles à faire entre le prix d'une assurance individuelle santé et d'une assurance individuelle dépendance. Actuellement, une assurance individuelle santé n'a quasiment plus aucun intérêt, puisque c'est une gestion de trésorerie, mais qui maintenant est chargée à 20% en frais de gestion, plus 9,6% en taxes, donc est chargée à 30%. Une assurance individuelle en santé n'a quasiment plus aucun intérêt. L'assurance complémentaire santé, le pronostic, c'est qu'elle survive par l'assurance collective, puisque du fait du partage entre part patronale et part salariale, et l'attachement des partenaires sociaux à cette assurance-là, elle survivra par la collective. Donc, à mon avis, sur la dépendance, il y a vraiment une voie à explorer, qui est celui de la collective. Oui, encore une autre question, mais bon, peut-être qu'on la prend, peut-être elle recoupe une partie, puis à ce moment-là, donc vous gardez bien en mémoire. Bon, en fait, elle est complémentaire de l'intervention d'avant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, il y a un autre type d'assurance dépendance qui existe dans les mutuelles de la fonction publique, dans la plupart d'entre elles, qui existe depuis 1996, donc qui est un petit peu plus récente que les formules individuelles qui ont été lancées par une institution de prévoyance en 1985, mais qui aujourd'hui constitue le plus gros du marché en France, en tout cas en nombre de personnes. Parce que les mutuelles de la fonction publique couvrent aujourd'hui 3 millions de fonctionnaires, alors que les contrats d'assurance classiques n'en couvrent que 2,5 millions. Donc le gros aujourd'hui de la population est couvert par ces garanties qui sont des garanties en inclusion, qui sont des garanties statutaires, c'est-à-dire que l'adhésion à la mutuelle permet à la personne adhérente de bénéficier immédiatement de la couverture dépendance. Alors c'est une couverture dépendance sous forme de rente viagère, mais en plus elle est très souvent accompagnée d'actions sociales qui permettent d'ajuster tous les ans, d'avoir des services qui sont vraiment ajustés au cas particulier tous les ans. Voilà. Donc ça, personne n'en parle, mais je pense qu'il fallait vous préciser ce point-là. Merci beaucoup de cette information complémentaire. Donc, je propose que vous répondiez. Juste pour répondre donc à vos différentes questions, sur les différents produits en fonction des catégories de population, tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'assurance en rente
concerne en fait qu'un type de population. On pourrait imaginer, par exemple, le fait qu'on ait une assurance quand on est déjà dépendant, c'est-à-dire une personne qui a un petit capital pourrait arriver avec son petit capital et s'assurer non pas contre le fait de devenir dépendant, mais contre la durée en dépendance. Ça, c'est des produits qu'on n'observe pas aujourd'hui. Pareil pour le viager, c'est-à-dire on peut avoir des gens qui sont une catégorie de la population avec des très faibles revenus, mais un immobilier assez conséquent. Et ça, c'est des produits qui sont très, très peu développés en France. Donc, oui. Sur le deuxième point, sur le prix de l'assurance, c'est vrai qu'on a des SURP aujourd'hui qui sont très, très faibles, mais c'est difficile de savoir si c'est, entre guillemets, l'assureur qui se gave ou pas, parce que c'est des risques qui sont tellement longs qu'on saura que dans 20 ans, si vraiment le prix était élevé ou pas. Sur la participation aux bénéfices, qui est le symétrique, tout à fait d'accord. Ça serait tout à fait logique d'avoir un symétrique au fait de réviser les prestations. Par rapport à Solvency II, c'est vrai que Solvency II charge beaucoup plus en capital les investissements en actions et donc à ce titre pourrait, comment dirais-je, rendre difficile, disons, enfin rendre moins... augmenter en fait le prix de l'assurance puisqu'on ne bénéficierait pas du fait d'investir à long terme sur des produits a priori plus risqués. Il y a la seule petite remarque, c'est quand même la prime de liquidité ou d'illiquidité qui est dans le KIS 5, dans les spécifications KIS 5, est censée régler ce problème quand même, puisqu'on prend en compte la durée d'investissement dans la valorisation du capital. Donc ça devrait quand même être une réponse. Et par rapport à l'assurance collective, oui, c'est vrai que ça serait une très bonne, enfin, ça serait une meilleure façon que l'assurance individuelle, mais ça pose la question de la portabilité des contrats. Parce que, autant dans la santé, on a toujours une probabilité d'être malade, même si elle peut augmenter avec le temps, autant dans la dépendance, on a une probabilité quasi nulle pendant 25 ans d'être dépendant, et puis elle augmente au moment où, justement, on part à la retraite ou on change d'entreprise, quoi. Je vais répondre aussi à ce qui concerne le prix. On observe actuellement, enfin, plus depuis ces 30 dernières années, un phénomène de compression de la morbidité, c'est-à-dire que, vous citiez tout à l'heure, mais si on découvre un remède pour Alzheimer, normalement, le programme médical, il se fait sur l'allongement de la durée de vie en validité, et la durée de vie en invalidité est comprimée. On n'est jamais sorti de ce cadre depuis 30 ou 40 ans, donc en fait, on pense qu'on ne va pas sortir, a priori, de ce cadre. Jusqu'alors, ça n'a jamais été observé, quoi. Il y a eu des études qui ont été faites aux États-Unis, deux grandes enquêtes qui ont été faites en France, et on observe jusqu'alors, depuis 30 ou 40 ans, un phénomène de compression de la morbidité. Il y avait Freys, qui était un médecin anglo-saxon, qui avait fait cette conjecture, sans données empiriques, dans les années 50, dans les années 60, de phénomène de compression de la morbidité. Donc, lorsqu'on calcule le prix, si on intègre le phénomène de compression, on est plutôt en surtarification. L'assureur est plutôt en surtarification. Merci beaucoup. On va passer après, la... C'est sûr que les portefeuilles ne sont pas en rythme de croisière, tout ça, qu'il peut y avoir des... C'est compliqué, mais... Donc on va passer la parole à Brigitte Dormont, qui va apporter aussi un éclairage, en particulier sur la dernière question. Oui, si vous voulez bien, je vais rester à ma place, parce que je n'ai pas de... Ça me permet de voir ma présentation. Donc merci beaucoup. Donc, c'est vrai que je suis un peu un objet différent dans cette table ronde puisque je ne vais pas du tout parler de dépendance mais de dépenses de santé. Et je ne vais pas non plus parler de financement mais plutôt d'analyse des causes de la dépense, de la croissance des dépenses de santé. Tout ceci en rapport avec des travaux que j'ai réalisés pour analyser les causes de la croissance des dépenses de santé. Et notamment pour examiner de plus près la menace que constituerait le vieillissement de la population. Quand j'entends parler de risque de longévité, je comprends très bien le terme, puisqu'il s'agit ici de réfléchir à de l'assurance-dépendance, mais en même temps, cela contribue à renforcer l'idée générale que le vieillissement de la population est la première cause de croissance des dépenses de santé, alors que ça n'est absolument pas le cas. Donc je crois que c'est très important de tordre le cou à cette idée et de bien faire comprendre que la croissance des dépenses de santé, c'est un phénomène qui est en rapport avec nos décisions. Ce n'est pas du tout un processus que nous subissons à cause d'un vieillissement exogène de la population. Celui-ci joue de manière plutôt marginale sur la croissance des dépenses de santé. Donc je vais vous donner ici les intuitions.
Donc, grande question, le vieillissement peut-il submerger nos systèmes de santé? Pourquoi pose-t-on la question ainsi? Parce que c'est ce qu'on lit quasi quotidiennement dans la presse, les dépenses de santé vont augmenter, et premier argument, le vieillissement de la population. Quand on regarde des études déjà très anciennes sur données macroéconomiques, en fait, on constate que les estimations ne montrent pas d'influence importante de l'âge sur la croissance des dépenses de santé. Il y a souvent une influence significative, mais extrêmement faible par rapport à d'autres facteurs. Et quand on regarde les prévisions réalisées par des organismes comme l'OCDE, et puis j'ai contribué à un travail avec des collègues de l'OCDE pour faire des prévisions de ce type sur des équations macroéconomiques, on voit qu'on prévoit, prenons par exemple l'Europe des 15, qui est les chiffres que j'ai retenus ici, on prévoit une forte augmentation des dépenses de santé, de la part des dépenses de santé dans le PIB pour l'Europe des 15 à l'horizon 2050, donc il passerait de 7,7% en 2005 à 12,8% en 2050. Et dans cette augmentation de 5 points, seulement 0,6 points seraient dus au changement démographique tout compris, c'est-à-dire y compris la croissance de la taille de la population et pas seulement les effets de changement de structure liés au vieillissement. Donc ceci donne un premier cadrage qui montre que les ordres de grandeur ne sont pas ceux qu'on a, que l'intuition commune a en tête, c'est-à-dire que le vieillissement joue certes dans la croissance des dépenses de santé, mais de manière relativement marginale par rapport à d'autres facteurs. Alors comment peut-on avoir l'intuition des mécanismes en jeu? Donc ici je donne une petite illustration pour bien faire comprendre ce qui se passe. Donc le raisonnement standard, et ce que tout le monde a dans sa tête, c'est le rapprochement de ces deux courbes. Donc ici, ce sont des données pour la France, mais on a exactement les mêmes éléments pour d'autres pays développés. Donc à gauche, nous avons le vieillissement de la population, donc qui est souvent mesuré par la croissance de la part de la population âgée de plus d'un âge défini par convention. Donc ici, c'est la croissance des plus de 65 ans, de la proportion des plus de 65 ans de la population française prévue par l'OCDE à l'horizon 2050. Donc on croise ce vieillissement qui est prévu avec ce que nous avons sur la courbe de droite, la courbe rouge, donc, qui nous donne en moyenne individuelle la dépense de santé par individu en fonction de son âge. Et donc ici, on observe quelque chose dont nous avons tous l'expérience, qui est que pour un individu, les dépenses de santé croissent lorsqu'il vieillit. Il dépense plus à 40 ans qu'à 20 ans, à 60 ans, à 70 ans, il dépense plus qu'à 50 ans, etc. Donc nous dépensons plus lorsque nous vieillissons et par extension, on en tire la conclusion que comme la population vieillit, il y aura une croissance des dépenses de santé liée à ce phénomène. Donc ce raisonnement est juste, évidemment, mais il est extrêmement partiel. Il néglige le phénomène principal à l'origine de la croissance des dépenses de santé, et donc il se centre sur un facteur qui joue finalement assez peu. Donc la principale course de croissance des dépenses de santé, c'est celle-là. Et ici, je reprends en fait le graphique que j'ai à droite, mais pour deux années différentes. Donc ici, on a le profil, on a un phénomène qui n'est absolument pas démographique. À aucun moment, je ne prends en compte la taille de la population, la structure par âge de la population. Ce sont des moyennes individuelles de dépenses de santé par âge qu'on observe ici en 92 pour la courbe du dessous, la courbe bleue, et en 2000 pour la courbe rouge. Donc ce que nous observons, c'est qu'à tout âge, il y a un déplacement vers le haut de ces dépenses de santé par âge. Et ce phénomène est beaucoup plus, alors c'est là l'accent que je voudrais mettre, donc par rapport même à toutes les réflexions sur la dépendance, ce phénomène de croissance des dépenses de santé est beaucoup plus massif et beaucoup plus violent que le glissement de la proportion de personnes âgées dans la population. C'est-à-dire qu'ici, nous avons en 8 ans des évolutions d'environ 50% pour les tranches d'âge à partir de 50 ans, hein, c'est-à-dire 50% d'augmentation des dépenses en 8 ans, ce qui est rien comparé au glissement de la proportion de personnes âgées de plus de 65 ans sur la même période, qui est de moins de 2 points. Donc c'est pour cela que le vieillissement ne constitue qu'une cause relativement mineure, parce que le vieillissement de la population, c'est un phénomène qui est relativement lent comparé
à la croissance des dépenses de santé à âge donné. Alors maintenant, il faut interpréter ce glissement vers le haut du profil de dépenses par âge. Donc on a évidemment en tête deux éléments explicatifs possibles. Une modification de l'état de santé à âge, donc à âge donné, donc on parle de morbidité pour parler des maladies. Donc on pourrait penser que la morbidité aurait augmenté entre 92 et 2000, mais comme l'a dit justement mon voisin, on a beaucoup d'éléments maintenant qui conduisent à supposer qu'on a plutôt une amélioration de la morbidité à âge donné, du moins dans des pays comme les États-Unis ou la France ou la Suisse. Là, il y a des éléments assez forts là-dessus. Un autre phénomène pouvant expliquer ce glissement vers le haut serait un changement des pratiques médicales à âge et morbidité donnée. C'est-à-dire qu'un diabétique qui a 50 ans en 2000 serait soigné avec des soins beaucoup plus coûteux en 2000 qu'un diabétique de 50 ans en 92. Donc ce que nous avons essayé de faire donc, dans une étude de micro-simulation sur données individuelles, c'est de quantifier ces effets changement de morbidité et ces effets changement de pratique médicale pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce glissement du profil des dépenses par âge. Donc il s'agissait d'une analyse rétrospective pour la France sur les années 92-2000. Donc je suis en train de travailler sur des données beaucoup plus nombreuses pour réactualiser cette étude. Et nous avions, ce qui est assez original, il y a assez peu de pays qui ont ça, une information individuelle très détaillée sur les maladies chroniques qu'ont les individus. Et ceci nous a permis donc d'analyser les composantes du déplacement vers le haut de ce profil de dépenses par âge. Donc ici, c'est un petit peu, ça devient un petit peu technique, mais disons que ce que nous avons ici en données observées, c'est la courbe bleue, donc c'est ce que nous observons en 92, c'est ce que je vous ai déjà montré. La courbe en tiret rose, c'est ce que nous observons en 2000. Et les deux courbes qui sont micro-simulées, c'est les courbes rouges et vertes. Donc la courbe rouge, qu'est-ce que c'est? C'est les dépenses de santé des individus de 1992 avec leur maladie de 1992. Et c'est les dépenses qu'ils auraient faites s'ils avaient été soignés avec les pratiques de l'année 2000. Donc on prend la même population, les mêmes maladies, on utilise uniquement les dépenses de santé qu'on a quand on est diabétique en 2000 pour l'appliquer aux individus de 92. Et donc on voit que la totalité du déplacement des dépenses individuelles de santé est due uniquement au changement de pratique à âge et à maladie donnée. Après, nous avons intégré les changements de morbidité, donc le fait que la proportion de diabétiques a pu changer entre 92 et 2000, que la proportion de malades cardiaques aussi, la proportion de personnes ayant des problèmes respiratoires, etc. Nous avions un vecteur de 20 maladies chroniques que nous pouvions prendre en compte. Donc quand on intègre ces changements de morbidité, on obtient la courbe verte qui montre un léger freinage des dépenses de santé entre donc 92 et 2000. Donc effectivement, au total, sauf pour les gens de 70 ans et plus, nous avons une amélioration de la morbidité qui a contribué à un léger ralentissement de la croissance des dépenses de santé. Donc ceci porte sur des phénomènes non démographiques. Nous expliquons uniquement les composantes du déplacement vers le haut du profil des dépenses par âge. Et ici, nous voyons donc que la totalité est due au changement de pratique à âge et à maladie donnée. Après, pour comprendre les éléments de la croissance des dépenses de santé entre 92 et 2000, nous devons intégrer la dimension démographique et donc la taille de la population française et sa structure par âge. Donc c'est ce que nous faisons en aval des micro-simulations. Nous intégrons donc les variations de la population pour comprendre pourquoi les dépenses de santé ont pu augmenter de 54% entre 92 et 2000. Et donc nous avons cette variation totale de 54% qui se décompose dans les trois chiffres que vous avez en rouge. Nous avons plus 6 points seulement dus au changement démographique, dont seulement 3 points dus au vieillissement proprement dit, c'est-à-dire au changement de la structure par âge de la population. L'évolution de la morbidité contribue à un ralentissement de la croissance pour une valeur de moins 10 points.
et la totalité est due au changement de pratique à âge et morbidité donné. Donc au total, qu'en est-il du rôle du vieillissement de la population? Nous avons seulement plus 3 points sur 54 points d'augmentation, et même, on pourrait en débattre, mais on pourrait dire qu'il faut agréger l'évolution due au changement de la morbidité et l'évolution due au changement de au vieillissement. Donc à ce moment-là, on aura un élément négatif, on pourrait presque dire que la population rajeunit, puisque son amélioration de santé dépasse largement l'effet vieillissement. Donc là, c'est ce que je viens de commenter. Donc quel est l'enjeu de ce résultat, hein, dire les changements de pratique expliquent l'essentiel de la progression des dépenses et le vieillissement joue assez peu. À mon avis, un enjeu très important par rapport en fait à la tonalité générale de ces journées, c'est bien d'intégrer que la croissance des dépenses, en tout cas pour les dépenses de santé, ça n'est pas un phénomène exogène à contrôler. C'est bien nous, notre action qui consiste à mettre en œuvre des innovations médicales, à les rembourser et à les financer, qui conduit à cette croissance des dépenses de santé. Donc il n'y a pas d'avalanche qui va submerger le système. Donc maintenant, si on essaye de comprendre ce qu'il y a derrière ces changements de pratique, il faut entrer un peu dans le détail de la dynamique du progrès médical. Donc tout ce qu'on vient de dire, qui est qu'il est à l'origine de la hausse des coûts de la santé, heurte un petit peu le sens commun de l'économiste pour lequel le progrès technique est à la source de gains de productivité. Donc en réalité, il y a deux mécanismes sous l'innovation médicale. Il y a un mécanisme de substitution d'une nouvelle procédure à une précédente, avec en général un gain d'efficacité, que ce soit sous la forme d'une baisse du coût ou d'une amélioration de la performance sanitaire. Et il y a un autre phénomène qui vient en aval de la substitution, qui est le phénomène de diffusion de l'innovation, qui est parce que cette innovation permet des soins plus performants à moindre coût et avec une meilleure sécurité, donc ça dépend des innovations dont on parle, eh bien cette innovation se diffuse très largement auprès d'un ensemble de patients beaucoup plus large que ceux qui étaient concernés par la technologie précédente. Et plusieurs études ont montré que la croissance des coûts était due uniquement à cette phase de diffusion des innovations. Donc on peut prendre plusieurs exemples, hein, pour les maladies cardiaques, qu'on invoque souvent parce qu'il s'agit de la première cause de mortalité, eh bien, on a un exemple très spectaculaire avec le pontage et l'angioplastie. L'angioplastie pouvait se substituer dans certains cas au pontage, mais surtout, elle s'est diffusée à la quasi-totalité des personnes connaissant une crise cardiaque, et maintenant, on l'utilise à titre préventif pour un certain nombre de personnes. Donc, c'est cette diffusion très large d'une technologie, certes beaucoup moins coûteuse que le pontage, qui a conduit à une explosion des coûts de la santé pour le traitement des maladies cardiaques, par exemple. Donc, on a beaucoup d'autres exemples autour de la chirurgie de la cataracte. On a la même chose, la prothèse de hanche, la chirurgie du genou, etc. Quand on veut examiner maintenant ce que va donner ces chocs technologiques, ce que vont donner ces chocs technologiques sur la croissance des dépenses de santé, on a bien du mal à faire des prévisions autres qu'à la louche. Donc, ce qui est fait, c'est de dire, même... Supposons que le progrès technologique continue, comme dans les périodes précédentes, donc à conduire à des dépenses de santé de 1 point plus rapide que le PIB. Donc à ce moment-là, on obtiendrait une part des dépenses de santé dans le PIB de l'Europe des 15 de 12,8%. Mais les prévisionnistes, en général, n'excluent pas la possibilité d'une accélération de ce rythme d'innovation. Et à ce moment-là, on pourrait atteindre, s'il y avait un rythme différentiel de 2 points, presque 20% de dépenses de santé dans le PIB de l'Europe des 15. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'une telle croissance est soutenable? Donc une petite remarque en passant, c'est des chiffres et des rythmes qui sont sans commune mesure avec les problèmes qu'on se pose sur les retraites et les problèmes qu'on se pose sur la dépendance. Je crois qu'il faut bien avoir en tête ce type d'ordre de grandeur. Alors, cette croissance est-elle soutenable? Donc là, je cite juste un petit chiffre qui a été fait par David Cutler, que je trouve quand même assez intéressant, qui est de dire, faisons des prévisions sur la consommation des ménages hors santé, sous ces deux hypothèses, en disant, c'est bien ça la question. Est-ce qu'à l'horizon 2050, nous allons tous être privés à cause des dépenses de santé ou non? Donc, si on suppose l'hypothèse basse, c'est-à-dire un rythme différentiel de 1 point, la consommation hors santé croîtrait encore de 150% pour les pays de l'OCDE à l'horizon 2050. Et si le rythme s'accélérait et atteignait 2 points, on aurait
encore une consommation hors santé qui croîtrait de 100%. Donc ce petit calcul très simple, hein, qui parle en fait de taille du gâteau, montre que la croissance est peut-être financée, mais évidemment, ça ne dit absolument pas qu'une telle évolution soit souhaitable. Donc je crois que c'est l'autre point qu'il faut évidemment aborder, c'est est-ce qu'on peut considérer qu'augmenter ainsi notre part de nos revenus consacrés à la santé soit souhaitable. Donc à mon avis, c'est une question qui doit être abordée et que des travaux devraient aborder plus souvent pour asseoir un peu nos choix collectifs. Donc pour répondre à cette question, donc à la caractère souhaitable ou non de la croissance des dépenses de santé, il faut répondre à une première question qui est quel est l'impact des soins médicaux sur la longévité et la santé, et puis une deuxième question en aval qui est la valeur des gains en santé et en longévité est-elle supérieure ou égale au coût lié aux dépenses. Donc là, c'est un raisonnement économique assez simple. Donc peut-être pour accélérer, je vais passer l'impact des soins sur la santé. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à établir, mais maintenant, on a quand même pas mal de résultats qui raccordent bien, qui établissent bien une fonction de production de santé liée à l'effort financier consacré à la santé. Alors la valeur des gains en santé, est-ce qu'on obtient une contrepartie en échange de ces coûts de la santé qui au moins égalise ces coûts, sinon la dépasse. Donc pour examiner cela, on utilise des outils donc, qui sont autour de la valeur statistique de la vie, et c'est un concept qui est utilisé couramment en économie publique dans d'autres domaines comme les transports ou l'environnement. Et dans ce concept, il est important de noter que la vie a une valeur indépendamment des capacités productives de l'individu. J'entends qu'on parle de statistique, c'est un mot, c'est une précaution oratoire pour dire que ça reste éthique parce que c'est statistique. Donc je vais passer sur les aspects éthiques, hein, dont on peut discuter après. Mais c'est très important de voir que la vie dans ce concept a une valeur indépendamment du taux de salaire de l'individu, du fait qu'il est actif ou non. Hein, c'est quelque chose qui a à voir avec les dispositions à payer des individus pour réduire un risque de mortalité. Alors, en utilisant ce concept, on peut procéder à différentes opérations, qui sont des opérations qui permettent de légitimer l'adoption d'une innovation technologique ou non. Et puis récemment, donc, des économistes américains ont utilisé cet outil pour procéder à une mesure globale de la valeur des gains en santé et en longévité. Ils obtiennent un résultat tout à fait spectaculaire, à savoir que pour les États-Unis, entre 1970 et 2000, les gains en santé et en longévité auraient correspondu chaque année à une valeur équivalente à 32% du PIB américain, donc une valeur très supérieure. Donc là, on valorise en unité monétaire des biens qui sont éminemment non marchands, hein, qui sont la qualité de vie, la longévité. Donc c'est évidemment des résultats qui doivent être confirmés. Mais si nous les suivons, ces résultats, eh bien, on constate que la valeur obtenue en contrepartie des dépenses de santé est très supérieure au coût de ces soins, hein, puisque les coûts sont d'environ 15% du PIB. Et ceci pourrait signifier, si on croyait à ces résultats, que les Américains ne dépensent pas assez pour leur santé compte tenu de leurs préférences, compte tenu de leurs préférences telles qu'on les mesure à travers cette valeur statistique de la vie. Donc voilà mes conclusions. Hein, je résume ces différents éléments. Le moteur de la croissance des dépenses de santé n'est pas le vieillissement de la population. Cette croissance s'explique par la diffusion des innovations médicales. Plus de biens sont disponibles et consommés. Et la diffusion des nouvelles technologies a entraîné de la valeur grâce aux gains en longévité et en santé. Et cette valeur dépasse largement le coût des soins. Voilà, donc je vous remercie. Merci beaucoup de cet éclairage qui montre combien tous ces problèmes sont complexes et de se mettre l'accent sur un aspect de la chose est toujours difficile et pas toujours super pertinent. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur cet aspect-là ? Pas dans la salle ou ailleurs. Oui, alors bah, peut-être. Allez-y.
D'abord, ce n'est pas moi qui la calcule. Là, je cite des travaux et c'était juste un exemple. Hein. Je sais bien qu'il existe beaucoup de valeurs différentes. Je suis d'accord que c'est un point tout à fait essentiel pour la conclusion, qui est très déterminant pour la conclusion. Il y a énormément de travaux sur ces questions. À l'origine, donc, on valorisait la vie en fonction des capacités productives de l'individu. Ensuite, on a essayé de faire de l'inférence statistique en regardant les primes sur le marché du travail pour des travaux dangereux qui impliquaient des risques pour la santé ou des risques de décès pour les travailleurs. Et on regardait la prime salariale associée à ce surcroît de risque. Et maintenant, l'essentiel des évaluations porte sur des enquêtes d'évaluation contingente où, en fait, on pose aux individus des questions reposant sur des scénarios hypothétiques. On leur demande, par exemple, sur des histoires d'environnement, hein, il y a un exemple qui était coût de la pollution et valeur de la vie pour les individus pour éviter la pollution. On explique aux individus, vous vivez à tel endroit, chaque année, il y a 10 personnes qui meurent à cause de la pollution atmosphérique. Donc, vous-même, vous avez un risque de temps de mourir. Et nous vous proposons de déménager et d'aller dans telle ville où le risque est nul, mais les loyers sont 15% plus élevés. Est-ce que vous acceptez de déménager ? Et donc, en fonction de la réponse des personnes, on fait un balayage, on ajuste le surcoût associé au loyer. Si les gens disent « Ah non, non, je ne déménage pas », on leur dit « Vous pouvez aller là où ça sera 10% moins cher, plus cher ». Et donc, ceci permet d'évaluer la disposition à payer pour vivre, pour éviter un risque de décès. Et à partir de cela, on fait de l'inférence sur la valeur de la vie. Alors, il y a beaucoup d'autres. Moi, personnellement, donc on a commencé dans le cadre de la chaire santé, on essaye de reproduire ce résultat pour la France. On essaye d'examiner la valeur obtenue en termes de santé associée aux dépenses de santé pour la France. Et donc, nous avons commencé par faire une enquête d'évaluation contingente auprès d'un échantillon représentatif de Français pour savoir la valeur qu'ils étaient prêts à payer pour la santé. Et donc, on a une méthode un petit peu différente, mais on demande aux gens très précisément quels ennuis de santé ils ont. Et on a un échantillon qui surreprésente les plus de 50 ans. Et après, on leur demande, on leur dit, mais si vous pouviez, donc vous êtes diabétique, on leur fait énumérer très clairement les ennuis dans leur vie qui sont causés par ce diabète. On leur dit, mais si vous pouviez être en parfaite santé, est-ce que vous seriez prêt à, par exemple, à accepter une baisse de votre revenu en échange de quoi vous seriez en parfaite santé? Et avec cela, on fait de l'inférence statistique pour mesurer la disposition à payer des personnes pour la parfaite santé. Mais c'est vrai que la valeur de la vie fait l'objet de beaucoup de débats. On a observé qu'en France, elle diffère selon les secteurs de l'action publique concernés. En transport ou en environnement, elle peut varier. Et puis, en matière de sécurité routière, elle a beaucoup varié en France. Elle a été réévaluée de manière concomitante, si je crois bien, avec toutes les actions de prévention sur la vitesse. Bertrand voudrait compléter la réponse de Brigitte. On a vu deux évaluations. Il y avait celle que j'ai évoquée qui était l'évaluation d'une vie statistique à un âge donné. Et Brigitte a parlé d'évaluation d'années de vie. Et en fait, les deux peuvent être rapprochés. Ça demande un petit travail. Si on sauve, par exemple, un individu de 60 ans, sans savoir qui c'est, mais on sauve un individu de 60 ans, on sauve probablement quelque chose comme 20 ou 25 années de vie. Puisque cet individu a évidemment encore une vie devant lui, une certaine espérance de vie. C'est par ce genre de pirouette qu'on arrive à rapprocher les deux évaluations. Et vous avez vu un chiffre de 100 000 dollars pour l'année de vie. J'ai parlé de 2 millions d'euros pour la vie. En fait, en faisant un petit calcul actuariel, on peut rapprocher les deux. Enfin, donc les évaluations ne sont pas grossièrement incohérentes les unes avec les autres. Mon dernier point, c'est que je tiens au terme non pas de valeur statistique de la vie, mais de valeur de la vie statistique. Ce qui est une traduction beaucoup plus littérale du terme anglais, « value of statistical life ». Il s'agit bien de sauver quelqu'un dont on ne connaît pas l'identité en changeant les lois de la mortalité. Il s'agit absolument pas d'avoir une évaluation approximative par le biais des statistiques d'une vie dont on connaîtrait exactement
comment dire, l'incarnation, enfin la personne concernée. C'est bien, je tiens au terme de vie statistique et non pas de valeur statistique de la vie. Juste rajouter une petite précision, c'est rapidement. Que le... en fait, j'étais pas là quand Bertrand est intervenu, donc effectivement, je n'avais pas compris vraiment votre question. Les auteurs utilisent les mêmes auteurs, effectivement, pour une vie entière, ont une valeur qui varie entre, selon le chiffre donné par entre 2 millions et 9 millions de dollars. Hein, donc, ça ressemble. Donc, il y avait une question. Je voudrais revenir sur l'argument de la diffusion des innovations, médicales. Alors on comprend bien que ça peut faire augmenter l'espérance de vie, mais ça devrait aussi réduire la dispersion des âges au décès. Et ça, on ne l'observe pas. Désolé Sébastien, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, mais l'hypothèse de Fries, elle est vraiment invalidée, et on continue à avoir une dispersion relativement constante des âges au décès, si on prend toute la population. Donc... Je me demandais comment est-ce que vous pourriez réconcilier votre hypothèse avec ce fait-là. Alors, ok, c'est une question pour moi. Je crois que oui. Alors, bon, il y a une chose importante. Oui, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, faute de temps, mais que j'avais envie d'évoquer. Hein, c'est en retour l'effet du progrès technique sur les gains en santé. Dans l'évaluation que j'ai donnée de micro-simulation, on suppose que c'est une évaluation rétrospective, donc on peut prendre en compte ce qui s'est passé effectivement et qui a été observé sur la population. Alors, en matière de prospective, ce qui est compliqué, c'est d'évaluer l'effet du progrès technique sur la santé. Et après, l'effet de ces gains en santé sur la longévité, effectivement, et je ne parlerai même pas, enfin même sans parler de dispersion, hein, on peut passer parler de rallongement de la vie ou de gains en longévité. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles, donc d'abord on a une grande incertitude, hein, effectivement, je crois qu'il y a des éléments qui plaident rétrospectivement pour dire que l'état de santé s'améliore, hein, il y a quand même pas mal d'études, mais il y a encore une grande incertitude sur beaucoup de choses et surtout sur le handicap en fait. Le progrès technique peut-il alléger les dépenses de santé? Alors, les modèles de prévision macroéconomique qui sont utilisés par l'OCDE, par l'Union européenne, en fait sont très mauvais sur ce point-là parce que ils font une hypothèse, ils intègrent les prévisions en matière de taille de la population et de structure par âge de la population de manière séparée, et après ils font des variantes sur, admettons que l'état de santé soit bon ou pas bon, ils font des variantes là-dessus. Alors ce qu'il faut pour la prospective, c'est intégrer le fait que des gains sur l'état de santé vont modifier de manière endogène la taille de la population. Et donc là, à ma connaissance, c'est seulement un modèle de micro-simulation qui a été mis au point par la RAND qui fait cet exercice-là. C'est-à-dire qui intègre dans un modèle de chaîne de Markov l'effet potentiel de gains sur la santé, sur la taille de la population. Et donc là, les prévisions sont assez vertigineuses, effectivement. C'est-à-dire que l'effet du progrès technique est assez radical. Si on a un progrès technique qui améliore la santé... En fait, on a toujours des surcoûts associés. C'est-à-dire, même si on fait des économies sur les soins médicaux grâce à l'amélioration de la santé pour le problème traité par l'innovation, en fait, ces économies sont largement compensées et dépassées par le fait que les personnes vivent plus longtemps et donc consomment des soins sur une période plus longue. Donc, en fait, les progrès techniques tendent à augmenter les dépenses de santé. Et même, il montre que les dépenses de santé augmentent d'autant plus que l'innovation est performante. C'est-à-dire, plus on a des gains en santé, pire c'est en matière de dépenses. Alors, c'est pour ça que je crois que c'est très important de réfléchir en termes de valeur obtenue en contrepartie des dépenses. Je crois qu'on ne se sort de ces réflexions de manière pertinente que si on regarde toujours ce qu'il y a en face de la dépense. Hypothèse de Fries. Alors, la santé et la dépendance, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais les études sur l'hypothèse de Fries, c'est la conjecture du phénomène de compression.
Jusqu'alors, en France, on n'a pas vu d'invalidation sur le phénomène de compression de... Mais alors après, sur la santé, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que la santé et la dépendance, ce n'est pas tout à fait les mêmes concepts. Alors, y a peut-être, ça dépend de quelle hypothèse on parle. Après, il y a d'autres. Je ne connais pas toutes les hypothèses de Fries, mais celle sur la compression de la morbidité, on voit des fluctuations à des moments donnés dans le temps au niveau de la santé publique. Mais il y a quand même une tendance qui est respectée quand on se positionne avec des fenêtres de 10-15 ans. L'hypothèse de Fries, elle irait, on devrait converger vers une situation où tout le monde meurt au même âge. D'accord ? On devrait avoir une réduction des écarts types, des âges au décès. Actuellement, on voit un phénomène d'orthogonalisation de la mortalité. Donc, une des hypothèses de Fries, c'est de dire que les rythmes des gains de l'espérance de vie en validité évoluent plus vite que les rythmes des gains de l'espérance de vie dans la population générale. Enfin, c'est une des hypothèses. Après, il a écrit pas mal de choses. Mais jusqu'alors, on n'a pas vu de véritable remise en question. On voit à un moment donné des fluctuations, des écartements, mais il n'y a pas pour l'instant de remise en question, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Mais alors après, il y a d'autres études qui ont été menées par Fritz. Je ne sais pas. Oui, ok, je propose qu'on en reste là sur cet aspect parce qu'on a atteint juste l'heure. Donc, merci aux intervenants. Et puis, il est clair qu'il reste beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Donc...